Bon, voilà. Et si on allait manger? Quand je crée l'album, il est souvent fait. Enfin, c'est très intimiste en fait comme démarche. Donc, c'est un peu comme le dessinateur ou le peintre devant sa toile. Donc, ça se fait. Enfin, je le fais seul. Et je le fais dans des périodes assez différentes, comme ça, le jour, la nuit. Et une fois que j'ai la matière, ben je la regroupe sur un album. Donc ça prend du temps, enfin ça peut prendre 6 mois, une année. Là, quand on a une date de sortie pour un projet comme ça, ben y a plein d'intervenants qui viennent en même temps. C'est sérigraphe, imprimeur, pressage des CD, etc. Donc c'est beaucoup, beaucoup de travail. D'ailleurs, c'est un ami à moi qui m'a conseillé, enfin qui m'a comme boutade, qui m'a dit: ah, mais ce serait bien que tu le sortes le 1er août, hein, vu que c'est un disque qui traite de la Suisse et la suissitude. Et donc je me suis dit, bah ok, bah pourquoi pas, donc on va sortir ça normalement le 1er août 2013. Ouais. J'espère qu'il n'y aura pas trop de retard, mais on va essayer d'y arriver, quoi. Ouais. Alors il y aura une sortie de l'album en fait physique, alors c'est pas très tendance, hein, mais ça se fait encore. Donc on va créer un CD en fait, sur lequel il y a mes compositions à moi, et il y aura une boîte collector aussi, dans lequel il y aura le CD, un livre de photographies sur les Alpes et sur la Suisse, avec des très belles photos de Léo Fabrizio, et un vinyle. Pour ceux qui ont encore des pick-up, hein, c'est toujours intéressant. Donc ça, c'est le boîtier collector qui sera tiré à 50 exemplaires. Et puis les remixes, en fait, pour répondre à ta question, c'est des remixes qui vont pouvoir être downloadés sur le site du label. D'accord. Voilà. Donc ils ne seront pas inclus dans la boîte? Ils ne sont pas inclus dans la boîte. Et ils auront une vie, en fait, sur Internet. On pourra les écouter après un laps de temps, pour les écouter gratuitement sur Internet. Et j'étais vraiment tout excité de les recevoir. C'était comme des cadeaux de Noël. Je recevais ça par Internet. Et chaque fois que j'ai downloadé, j'étais très content de les découvrir. Et il y a vraiment des super perles. J'ai collaboré déjà avec des gens du label, Kid Chocolat, qui est le fondateur du label, qui a fait un remix vraiment très intéressant. Et il y a aussi Paul qui est sur le label Pool Records aussi, qui a fait vraiment une pièce vraiment très très belle sur 13 ou 16 minutes, vraiment, vraiment magique, quoi. Marabout, c'est un collectif en fait de personnes qui organisent plutôt des soirées, mais je côtoie un des membres à travers les cours de graphisme que je donne à l'école d'art de Vevey, et puis on a un peu discuté, puis ils ont fait leur premier remix qui est vraiment réussi, qui est très 90s comme ça, avec des sons un peu acides. Il y a aussi le clip vidéo qui a été fait par Guillaume Amégro, qui a été une personne avec qui... parce que le premier clip qu'on avait fait pour Overcover a été fait par Ramon and Pedro, et c'est une personne qui travaille avec eux, et puis ils m'ont proposé de collaborer avec lui. Donc un clip qui est fait avec des incrustations réelles, et puis des décors qui sont dessinés en fait. Comme des gravures un peu. Il y a une espèce de rapport qui est assez intéressant.
Ça fait deux albums. Enfin, voilà, j'ai fait de la musique depuis très longtemps, mais là, c'est le deuxième album qui est fait dans la même veine, en fait, avec cette volonté de faire de la musique qui soit très, qui est de la musique minimaliste, en fait, avec des mélodies assez simples à retenir et qui fait référence beaucoup au monde du film. Et évidemment, mon projet ultime, c'est de commencer à produire des musiques pour des films, quoi, en fait. Et donc, il y a deux, trois pistes qui sont lancées, j'espère qu'elles vont aboutir. Je dirais mes références dans ce domaine. Bon, après, je ne vais pas citer tous les compositeurs que j'aime bien de musique de film, parce qu'on serait encore là dans trois semaines. Mais il y a des gens, en plus, que j'ai rencontrés. Michel Legrand, je trouve que c'est une personne qui est assez remarquable. Il y en a d'autres. Moi, j'adore Morricone aussi. J'aime bien Sakamoto aussi. C'est vraiment quelqu'un qui m'a beaucoup influencé dans le style de composition. Il y a une ambiance, un mood un peu sur la période un peu de 1850, 1900, des débuts un petit peu du tourisme en Suisse. Donc il y a un peu plein d'éléments un peu graphiques de cette époque-là, en fait, qui ont été agencés et dans le livre et sur toute la communication, en fait, de cette sortie de disque.